Dans le comté de Cork, la petite ville de Youghal coule des jours tranquilles face à l'Atlantique Sud, bercée par le cri des mouettes et le bruit du vent. Dès les premiers pas à l'approche de la cathédrale Saint-Déclin d'Ardmore, la vue des bas-reliefs sculptés sur le fronton est saisissante. Les artistes qui ont réalisé cette fresque il y a 9 siècles ont représenté une harpe, ainsi que des scènes d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden et du jugement de Salomon. Le complexe religieux d'Ardmore, isolé dans son coin de campagne, est composé d'une tour adjacente de 30 mètres, d'un cimetière bucolique, des ruines de cette insolite cathédrale de petite taille et d'un petit oratoire plus ancien datant du 8e siècle. Saint-Déclin a été vénéré comme premier évêque d'Ardmore au 5e siècle. C'est lui qui a christianisé cette région du sud Munster et du comté de Waterford. La cathédrale contient 2 pierres sculptées d'écriture ogamique dans une petite alcôve. L'écriture ogamique est un alphabet antique et endémique, utilisé essentiellement pour écrire l'irlandais primitif de forme orthodoxe, utilisé du 4e au 6e siècle, et ensuite pour le vieil irlandais dit scolatique ou scolaire, utilisé du 6e au 9e siècle. Le sol est jonché également, çà et là, de tombeaux originels. Le domaine de Johnstown avait le privilège d'héberger une première maison-tour construite en 1170 par une famille normande qui s'était exilée du Lincolnshire suite à l'invasion normande de l'Irlande. Les héritiers de la famille normande Esmondes a été expulsé pendant les années cromwelliennes vers 1650. Puis le château a été racheté par la famille Grogan en 1692. Mais un siècle plus tard, le propriétaire Cornelius Grogan a été pendu pour avoir joué un rôle dans la rébellion de 1798. Daniel Roberton, le propriétaire suivant, a modifié et conçu cette sublime demeure en style néo-gothique. Mais pour atteindre cet objectif, il aura fallu réaliser une restauration de 36 ans, qui commencera en 1836, conférant au château cette remarquable silhouette. Je vous laisse la surprise de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres épisodes. Merci.